Salut tout le monde, bienvenue à notre chaîne AgroJP. Aujourd'hui, je vais vous présenter une méthode empirique pour faire l'analyse du pH de votre sol à la maison. On y va. Nous allons utiliser un échantillon du sol que nous voulons tester, du bicarbonate de sodium, du vinaigre, de l'eau, trois récipients et deux cuillères, trois petits bois et pour pouvoir mélanger les solutions. Nous allons ajouter à peu près 10 cuillères de sol dans chaque récipient. Déjà, nous avons le sol dans les récipients. Nous allons y ajouter de l'eau. Nous allons ajouter du bicarbonate de sodium dans l'un des récipients, à peu près 3 cuillères de bicarbonate de sodium. Nous allons ajouter du vinaigre dans l'un des autres récipients. Après avoir ajouté du vinaigre, nous n'allons rien ajouter dans le récipient qui sert de contrôle. Et maintenant, nous allons mélanger avec des petits bois, mélanger les solutions. Et après, on va espérer qu'est-ce qui va se passer. Si la solution avec du bicarbonate de sodium entre en ébullition, cela veut dire que notre sol est acide. Si celle avec du vinaigre entre en solution, en ébullition, cela veut dire que le sol est alcalin. Et si ni l'un ni l'autre entre en ébullition, cela veut dire que notre sol est plus ou moins neutre. Regardez, chers amis, et étant donné que notre solution avec du bicarbonate de sodium entre en ébullition, nous pouvons conclure que notre sol est un sol plus ou moins acide. Et étant donné que le sol est acide, eh bien, nous devons y ajouter du calcaire ou du cendre de bois pour pouvoir augmenter son pH. Okay? Si le sol était alcalin, nous pourrions y ajouter de la matière organique. Eh bien, on s'arrête ici et je vous invite d'aimer, commenter, partager et vous inscrire à notre chaîne pour pouvoir recevoir des contenus similaires. Et toutes les semaines. Au revoir, à la prochaine.